Shalom Bracha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Vous savez que on est maintenant dans les temps de se préparer pour, si Dieu veut, pour recevoir la Torah. Bezat Hashem, dans quelques temps, Shavuot va venir. Shavuot, c'est la fête de Matin Torah. Mes amis, cette année, on répète toujours, on dirait que cette année, Akadosh Baruch Hu nous a donné une petite correction. Vous savez, le corona, on l'appelle en hébreu Keter. Keter, ça veut dire la couronne. Vous savez, j'étais en train de voir un petit film d'étude sur les gouttes d'eau. Lorsque une goutte d'eau, si vous prenez une loupe, puis les grandes loupes, vous savez, est-ce que vous voyez lorsqu'il pleut, les gouttes d'eau ne se touchent pas. C'est de la folie. Les gouttes d'eau ne se touchent pas. Vous croyez que lorsqu'il pleut, vous croyez que c'est des tuyaux d'eau qui tombent. Non, c'est des gouttes d'eau, et ces gouttes d'eau, l'une ne touche pas à l'autre, ils se touchent uniquement lorsqu'ils arrivent par terre. Chaque goutte d'eau, c'est une vie. Chaque goutte d'eau, elle a son kavod. Chaque goutte d'eau, elle respecte l'autre goutte d'eau. Et c'est ça ce que j'ai appris. Je me suis dit, David, pourquoi quand j'aurai la fée, qu'on ne peut pas vivre sans l'eau, et pourquoi, lorsque la pluie elle tombe, une goutte ne touche pas l'autre? Ben parce que Akash Rui veut nous apprendre que si on veut bien vivre, on ne doit pas rentrer dans la vie de l'autre. On doit respecter chacun. On doit respecter chacun. Comme que les gouttes d'eau, chaque goutte, elle fait honneur à sa copine, et ne se touche pas, il devient uni une seule fois lorsqu'ils sont par terre. Comme ça, nous les êtres humains, on doit être unis. On ne doit pas toucher l'autre, on ne doit pas rentrer dans la vie de l'autre. On doit se respecter. Et vous savez ce que j'ai vu dans la loupe? J'ai vu ce film-là, il m'a impressionné. Que lorsque la goutte d'eau, elle tombe, elle a une forme d'une couronne. C'est de la folie, mais il faut voir, renseignez-vous, vous allez voir. Lorsque la goutte d'eau, elle tombe, elle forme comme une couronne. C'est de la folie. Ça veut dire que chaque goutte d'eau, c'est une couronne. Chaque goutte d'eau, c'est un roi. Chaque être humain, c'est un roi. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il appelle l'être humain Banim Atem Lama. Vous êtes les enfants de Dieu. Comme que Hachem, il est roi, eh bien vous êtes les enfants du roi. Chaque être humain, c'est les enfants du roi. Tout ce qu'Akash Rui a créé dans le monde, il dit le péché à votre, il a créé pour sa gloire, pour son bonheur. Il y a le roi, il y a le prince. Et le prince aussi, il a une couronne. Après 120 ans, il aura sa future, il aura sa couronne. Donc chaque être humain, c'est une couronne, une couronne, une couronne. D'ailleurs, un prince, on l'appelle son altesse royale. Royale, c'est la couronne. C'est quelque chose à ne pas oublier. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, lorsque Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés de l'Égypte, la première chose qu'il nous a dire à faire, c'est compter leur humeur, se préparer comme lorsqu'on se prépare pour un mariage. Lorsqu'on se prépare pour un mariage, alors, vous savez, lorsqu'on se prépare pour un mariage, il faut choisir la salle, l'orchestre, les cartes, les invitations, mais entre, avant le mariage, il y a l'aîné, il y a les fiançailles, il y a l'aîné. Eh bien, mes amis, après, je vous l'ai fait à ce que, entre Pessah et Shavuot, il y a l'Ahilula de Rabbi Meir Baal HaNes, il y a l'Ahilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, on se prépare pour le mariage, pour recevoir la Torah, mais
Jusqu'à le mariage, il y a ce qu'on appelle des chansailles, le henné. Il y a des fêtes. Il y a la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Hananès au milieu. C'est des fêtes qui nous préparent dans se renforcer dans la Emouna, en Akadosh Baruch Hu, et se préparer davantage pour recevoir la Torah. Oui. Vous savez, mes amis, que la semaine prochaine, le 15 Iyar, c'est, vous savez, ce mois-là, il s'appelle le mois de Iyar. Pourquoi ce mois-là, il s'appelle le mois de Iyar? Parce que le Iyar, c'est les initiales de Ani Hashem Rof Echa. Iyar, Ani, Yud, Hashem, Resh, Rof Echa. C'est moi, Hashem, qui te guérit. Quelle guérison nous avons le mois de Iyar? Les guérisons du mois de Iyar, c'est guérir non seulement que des maladies, mais guérir de tout ce qui est mauvais, de mauvaise qualité. Comment on va recevoir la Torah à Shavuot si on est sale? Comment Kachroui va apparaître vers nous pour nous donner la Torah? Vous savez que chaque année, vraiment, on reçoit la Torah. Chaque année, il y a Matan Torah. Chaque année, il y a Matan Torah. Et puisque chaque année, il y a Matan Torah, alors chaque année, Matan, c'est le cadeau. Chaque année, il y a le cadeau de la Torah. Puisqu'il y a le cadeau de la Torah, donc automatiquement, il y a ce qu'on appelle on reçoit. Mais pour recevoir, il faut vouloir. Alors, pendant de Pessah, Shavuot, on montre à Hachem que vraiment, on veut la Torah. On veut recevoir la Torah. Lorsque Hachem y voit qu'on veut recevoir la Torah, alors, quand Shavuot nous a donné, il nous a fait une aide exceptionnelle, qu'il y a des fêtes pendant ces Rosh Hashanah, pendant Pessah et Shavuot, des fêtes, des Hilulot, des grandes tzadikim, pour nous renforcer dans la Emouna, dans la Torah. Lorsqu'on parle de Bibi Balanès, lorsqu'on parle de Bishma Yahai, on se renforce. Et c'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Mes amis, que Hachem vous protège, et vous donne la santé, la joie, et que Hachem fasse qu'on reçoit la Torah dans la tranquillité, dans la santé, dans la joie. Et que tout ce qui s'est passé avec ce qu'on a cette année-là, on a une seule chose, on a découvert, que Hachem c'est le patron, c'est Hachem. Et il nous a montré qu'un petit virus, pour lui c'est un petit virus, ça a pris du temps pour le maîtriser, et on ne sait pas encore s'il a été maîtrisé ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres après, derrière lui ou pas? On ne sait pas. C'est à attendre. Mais Bezrat Hashem, on est confiant. À très bientôt, que je vous protège, Amen. حيم بنتو وقف لنا زيخ